En prélude à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques prévue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, un forum régional sur le climat s'est ouvert mardi à Libreville. Objectif, sensibiliser au mieux l'ensemble des acteurs, les religieux, la société civile et les politiques sur la problématique du changement climatique pour une position commune. Nous pensons que Paris ne doit pas être une déclaration. Paris doit pouvoir consacrer définitivement un accord contraignant, juste et équitable. La lutte contre le réchauffement climatique est plus que jamais le combat commun des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans ce sens, le Gabon a consacré 11% de son territoire au patrimoine mondial. Réserver 11% du territoire est une action emblématique du Gabon. Ce que nous voulons simplement, c'est que le sacrifice que nous avons fait soit pris en compte et que nous soyons bien accompagnés dans les efforts que nous faisons pour préserver nos forêts, en les préservant pour le bien, pas seulement du Gabon, mais pour le bien de toute la planète. Dans la stratégie des pays de la CEAC, l'aspect juridique n'a pas été oublié. J'ai donc sollicité des parlementaires leur implication pour que dans nos constitutions, qu'il y ait un peu plus justement d'affirmation de ces droits nouveaux, de ce droit fondamental qui est celui de vivre dans un environnement sain. Pour l'Afrique, la conférence de Paris est une opportunité historique pour la mise en place d'un cadre d'action international durable et équitable. Il devra favoriser la transition énergétique et une meilleure économie verte avec la volonté de préserver la planète afin d'assurer un avenir aux générations futures.